le club de football de Trappes-et-la-Mairie entame un nouveau match. 3 semaines après la démission du président Mustapha Larbaoui, entre 150 et 250 enfants, éducateurs et parents ont crié leur colère sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Ils ne s'entraînent plus parce qu'avec les intempéries, les terrains sont grands et pour des questions de sécurité, on ne peut pas y aller. C'est de la sécurité parce qu'au jour d'aujourd'hui, on bricole et le jour où on aura des pépins, on nous reprochera. Les dirigeants du club réclament donc la réhabilitation de leurs équipements et un nouveau terrain synthétique, car à l'heure actuelle, seulement 4 terrains seraient fonctionnels, 2 au stade Robert Graveau et 2 à Gilbert Chonsac, dont un réservé exclusivement à la compétition, tout cela pour 900 licenciés et 26 équipes. De son côté, la mairie avance que 8 terrains seraient disponibles sur la commune, dans l'attente d'une éventuelle signature de convention avec la ville de La Verrière pour des prêts de terrain. Le club trappiste semble se retrouver dans l'impasse. On considère que sur la ville de Trappes, on ne peut plus pratiquer le football de manière correcte. Donc aujourd'hui, on a des revendications très très simples qui consistent à demander des lieux accueillants pour les adhérents, des lieux sécurisants pour les adversaires quand ils viennent le week-end et des outils pour travailler. Après cette seconde manifestation et des demandes d'audience, une délégation a finalement été reçue par le maire Guy Malandin le lendemain. Un entretien jugé constructif par les footballeurs. Le maire aurait visité les installations du club et aurait ciblé des problématiques, notamment sur le stade Gagarine, où le club demande l'installation de ce terrain synthétique. Verdict dans les prochaines heures.